à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire des soins. Ouais, parce que des fois, on en a besoin. Et voilà, j'avais envie de tester des masques, un masque action et un patch pour le nez. Donc c'est ces trucs-là. Donc c'est les Cleansing Pore Strip. Donc vous en avez plusieurs dedans, hein. Là, j'en ai sorti un, mais vous en avez plusieurs dedans. Donc c'est pour retirer les points noirs. Bon, moi j'en ai pas énormément, mais bon, de temps en temps ça fait du bien. Donc on va le mettre, et puis bah après il va falloir attendre 15 minutes. Donc je vais couper et puis revenir après, hein, parce que sinon ça va être trop long. Et puis après on fera le petit masque à la pêche. Voilà. Donc on va mouiller le nez, parce qu'il faut mouiller le nez. Et pour que ça grippe bien sur le nez, en fait. Donc, je vais d'abord ouvrir le petit sachet. Donc ça donne ça. Donc on le met ce truc-là. Non, c'est le truc lisse qu'il faut mettre sur la peau. Donc quand il faut attendre 15 minutes, et au bout des 15 minutes, enfin, le patch il se durcit, et c'est au moment là qu'il faut le retirer, quoi. Donc on va mouiller. Donc moi je prends une brume d'eau, puis ben on va mouiller le nez, hein. On s'en fout partout. Ah! Voilà. Je m'éponge un tchoukou parce que... Voilà, on va vite l'appliquer avant que le nez sèche. Il y a rien d'autre à mettre, hein, à retirer, je pense. Non, ouais, c'est comme ça. Donc, on va le mettre, c'est comme ça, avec le bout du nez ici. La forme du nez. Donc, je prends ma glace parce que sinon, je vais rien voir. On va coller ça. Voilà. Faut bien que ça adhère, bien appuyé pour faire adhérer le patch. Ici, ça colle pas tellement. Bon, bah, tant pis si ça colle pas trop, mais bon. Il est trop mis comme ça, j'aurais dû le mettre un peu plus comme ça, mais bon. Tant pis. Donc voilà, on va attendre 15 minutes que le patch il se durcisse. Et puis ben, on se revoit après. Allez, à dans 15 minutes. Et me revoici. Donc voilà, 15 minutes après, on va retirer ce patch. Donc ceux qui veulent pas voir les petits points noirs sur le patch, bah passez la vidéo, parce que ça va être un peu dégueulasse. Donc je vais prendre mon miroir et puis on va voir si ça a bien marché ou pas. Ah, ça colle bien, hein. Aïe, 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 aïe. Oh, ben Dieu. Ah. Ah, punaise, pour bien coller, ça a bien collé. Ah. Eh ben, ouf. Bah, écoutez. Voyons voir si ça retire un petit coup des... Ouais. Oui. Je sais pas si vous verrez à la caméra, mais... Il y en a eu dessus, hein. Bon, après, il faut le voir, parce que moi, j'en ai pas énormément, mais ça en a retiré ici quand même pas mal. Donc, voilà. Bah, qu'est-ce que j'en pense? Bah, écoutez, ça va, hein. Ça marche, pour ma part, ça marche. Moi, j'en ai pas énormément, mais je l'avais déjà fait sur mon chéri, et ça avait pas mal retiré de points noirs quand même. Donc, bah, écoutez.
Voilà, je vous conseille ce petit patch. Dites-moi si vous aussi vous les avez testés, si vous les trouvez bien ou pas. Moi, franchement, ça va. Donc, on va continuer avec le masque. Donc, c'est un masque à la pêche. Je crois que c'est un masque rafraîchissant, si je ne me trompe pas. Ouais, rafraîchissant masque en tissu à la pêche. Donc, bon, on va bien voir si ça rafraîchit. Hein. Et j'utiliserai mon petit rouleau de jade pour appliquer bien le masque. Donc voilà, on va l'ouvrir. Pas en foutre partout parce que la dernière fois que j'en ai fait un, ça dégoulinait pas, ça allait dégouliner partout, pardon. Je ne sais plus parler, moi. Voilà le masque. Oh, il est bien imbibé, hein. Il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est 15 à 10 minutes aussi. Mais on va le poser un peu moins longtemps parce que sinon la vidéo elle va durer un peu trop longtemps. Ouf, c'est bien imbibé, il n'y a pas de problème. Oh, c'est froid. Ah, c'est froid, c'est froid. Punaise, s'il y a quelqu'un qui vient au moment où vous mettez ça, bah franchement, vous lui faites peur. Hein. Ah, ils sont bien imbibés, il n'y a pas de souci. Hein. Il y a bien du produit, il y en a. Hein. Donc, il n'y a pas de dessin dessus. C'est transparent, vous voyez. Donc voilà. On va prendre le petit rouleau et puis on va masser un petit peu comme ça. Franchement, il fait du bien ce masque, il est bien frais. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le rouleau de jade, hein, parce que attends, ça m'énerve parce que il est. Le trou, il est pas assez grand, je trouve, de la bouche. Donc voilà. Ah, punaise, j'en fous partout. Ça, je m'en doutais. Il y a trop de peau du dessus, en fait. Donc voilà. Vous massez un peu comme ça. Pour faire bien pénétrer. C'est bon pour la peau aussi, donc. Ah, ça coule. Voilà. Un petit moment détente. Mais je trouve qu'il est pas trop bien coupé, en fait. Ça coule, ça coule. Bon voilà. On va attendre un petit peu. Normalement, c'est 15 minutes aussi. Mais bon, je laisse jamais 15 minutes. Souvent, je laisse 5 minutes. Dites-moi si vous aussi, vous l'avez testé, ce petit masque à la pêche. En tout cas, il est bien rafraîchissant, il n'y a pas de souci. Donc ben voilà, on va attendre un petit peu. Dites-moi si vous faites aussi des masques de temps en temps. Moi, j'en fais de temps en temps, mais pas tout le temps. Hein. Mais voilà. De temps en temps, quand j'ai le temps, ça fait du bien. Bon après, tous les masques, des fois, ça me fait des rougeurs, donc c'est pour ça que j'en fais pas souvent, souvent. Mais... Il m'énerve, là, il... J'arrive pas bien à vous parler, hein, désolé. Franchement,
Franchement, il est bien rafraîchissant, comme ils disent. Ils sont, ça va, ils sont bons. Bon, la pêche, ouais, c'est une pêche chimique, hein. C'est pas. Ça sent pas vraiment. Ouais, ça sent un peu, mais. C'est pas. L'odeur est pas désagréable, ça va. Donc après on va la retirer, puis on va masser l'excédent et puis ça sera fini. Bon, normalement vous devez le laisser 15 minutes hein, mais bon moi vu la vidéo je le laisse souvent, je le laisse 10 minutes, peut-être moins, ça dépend. Moi j'ai envie de le retirer, je le retire quoi. C'est un peu long, hein, mais bon. Bah écoutez, on va le retirer, je pense, hein, parce que bon, après ça va faire super long. Pour moi et pour vous. Donc voilà. On va retirer. Donc laissez-le plus longtemps si vous voulez le laisser plus longtemps, mais moi je vais pas le laisser énormément. Voilà. On retire. Je dis bien qu'on le retire quand même, mais franchement, il y a assez bien de produits, il n'y a pas de souci. Hein. Donc. Ils disent de masser l'excédent de produits. Donc là, franchement, il y a beaucoup trop de produits, donc ça va être compliqué de. Je crois que je vais devoir un petit peu l'éponger parce que là, un peu trop. C'est un peu trop imbibé. Donc voilà, on va masser l'excédent. C'est bien rafraîchissant, franchement. Il m'a pas piqué. Ça va, impec. Parce que des fois, ça peut arriver qu'il pique ou quoi. Ou qu'il gratte. Mais là, ça va. Franchement, il y a beaucoup trop de produits, c'est pas évident à faire pénétrer sur la peau. Je trouve qu'il est un peu trop imbibé, alors après. Vaut mieux en avoir plus que pas assez. Franchement, il fait du bien, ça va. La peau est douce après, ça va aussi. Bah voilà, écoutez, le petit masque a été appliqué. Donc ben voilà, ma peau est bien, toute fraîche. Impeccable. Le nez, bah écoutez, ça a été aussi. Hein, ça a bien retiré les points noirs, je trouve. Puis bah, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez aimé cette petite vidéo de masque et de petits. Je vais un petit peu s'essuyer les yeux parce que. Il y avait du produit aussi sur l'œil. Je vais. Peut-être c'est après. Comment? Passer un petit peu à l'eau mes yeux parce que. Pas trop avoir de produit sur les yeux quand même. Mais donc dites-moi si ça vous a plu. Si vous voulez que je vous refasse encore des tests de masque. Hein, si vous voulez, vous me le dites en barre d'un. En, ouais, en commentaire. Puis ben, je vous laisse et puis ben, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ben c'est le moment. Donc je vous mets le petit truc pour s'abonner ici. Et puis ben, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis ben, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous, salut, salut!